Bonjour les amis, voilà. La première vidéo que j'ai fait ne m'a pas plu parce que je n'ai pas dit exactement ce que je voulais dire. Donc je vais le faire maintenant. Je viens vous annoncer par cette vidéo que je reprends mes soins. Donc les soins, c'était ce que je faisais avant, c'est-à-dire les ressentis. Les soins énergétiques, enfin selon vos besoins en fait, parce que je peux faire pas mal de choses, c'est pour ça que je dis que je voulais pas d'étiquette, parce que je peux faire pas mal de choses, mais tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Selon ses besoins à elle, c'est elle qui va m'envoyer ses besoins, et moi en contrepartie, bah, je vais l'aider de mon mieux. Voilà, j'ai arrêté pendant un certain temps, j'ai eu besoin de me recentrer, j'ai eu besoin de me recadrer, j'ai eu besoin d'apprendre des choses aussi, j'ai eu besoin de refaire le point sur ma vie, sur ce que je pouvais faire ou pas, sur mon chemin de vie, et j'ai trouvé, il faut, voilà, c'est la guérison. Moi, mon chemin de vie, c'est la guérison, c'est le partage, c'est la communication. Voilà, donc je suis là et je ferai ces trois choses-là pour vous. Donc les soins, je partage et je communique. Comme vous, certains, je ne sais pas, certains d'entre vous sont déjà venus me voir il y a quelques années pour avoir des informations, des conseils, des soins. Je pense que à cette époque-là, tout s'était bien passé. Ceux qui sont venus me voir, vous pouvez toujours me poster un petit mot et me dire oui, effectivement, on est venu te voir ou non. Bref, avoir un retour de votre part s'il y en a qui sont présents. Sinon, bah, personne ne vous empêche de venir me voir et de voir ce dont comment je peux vous aider et si vous êtes satisfait de mon aide. Par contre, ce qui va changer par rapport à avant, c'est qu'avant je disais que les soins, les dons, c'était les soins, c'était des dons de Dieu et que de par le fait il ne fallait rien prendre. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Après avoir parlé avec des personnes qui s'y connaissent, d'avoir eu des ressentis, etc., je me suis rendu compte que en fait, c'est un échange qu'on fait entre nous, entre le soin. Donc, je vous fais un soin, quel qu'il soit, peu importe, c'est un soin, mais qu'il faut en contrepartie que vous fassiez un geste. Donc un don, vous faites le don que vous voulez, le don que vous pouvez, peu importe. Il faut que vous fassiez un geste. Il y a quelques années de ça, c'est vrai que c'était cool, hein, on faisait un soin en contrepartie, on avait un pain, un gâteau, c'était très bien, hein, à cette époque-là, il n'y a rien à dire. Sauf que de nos jours, étant donné que les soins se font surtout et beaucoup... avant de voir les gens, se font beaucoup par Internet, et que si vous êtes à l'autre bout de la France, le gâteau aura pas fière allure quand il va arriver. De ce fait, je ne vous impose rien, je ne vous impose pas de montant, rien du tout, mais le fait de donner quelque chose. Voilà, vous faites un don, ça peut être... 5 euros, 10 euros, 20, ce que vous pouvez, ce que vous ressentez, ce que vous dit votre cœur selon le travail que j'ai effectué pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à me contacter sur ma page principale via MSN si vous voulez. Après, on pourra se diriger sur autre chose, mais n'hésitez pas à venir me voir. Ceux qui me connaissent savent de quoi je suis capable, donc n'hésitez pas. Je suis là pour vous, comme vous avez toujours été là pour moi. Donc, c'était juste pour vous faire cette petite annonce.
Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite, à vous tous, à très vite. Je vous embrasse avec le cœur et à bientôt. Bye.